Salut à tous, c'est Jersey et DS pour une petite balade dans le Nether. Et bonsoir. Nether, je sais pas comment on prononce. C'est parti. Bon, avant d'y aller, on est un petit peu équipé, on a enchanté nos épées. Attention, il y a du monde. Et voilà, moi j'ai ma... Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la verrue du Nether, c'est pour faire des potions. Et tu peux la prendre sans te... Oh là, mais on se prend des... Il y a un bébé là dans le coin. Ah, il est là-haut. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait une culture. Faut récolter un peu et replanter. Ah, d'accord. Il faut gratter le sol en fait. Ah oui, c'est ça. Ça marche comme le... Oh là, attention. T'as des boules de feu qui arrivent sur toi, fais gaffe. Donc, mais attends, c'est... Je comprends pas. Il faut attendre qu'elles aient poussé à plein alors. Parce que là, elles sont trop... Elles sont trop petites. C'est un peu comme le blé en fait, c'est le même principe que le blé. Ouais. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du Netherwort, d'accord. En fait, c'est les verrues du Nether. Ok. Tu peux faire des potions de dégâts avec. Des potions, ouais, ça j'avais vu. Petit bébé. Bon, alors qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? Je sais pas moi. Casser de la brique? Ah, tu veux. Ben ouais, mais c'est pas cette brique là que je veux. C'est laquelle? Viens, faut bouger un peu. Ok. Tu sais où est-ce qu'il est le donjon? Le donjon? Alors pas du tout. Bah viens, on va y aller. Parce que ça, le Netherrack, c'est une pierre que tu peux utiliser pour y mettre le feu. Elle s'éteint pas même quand il pleut, non? Parce que je sais qu'il y en a une autre qui s'éteint. Moi, les pierres du Nether, je les connais pas, mais alors pas du tout. Comme je viens jamais ici. Tu sais où il est le donjon? Ah oui, je sais où il est. Ah d'accord. Voilà. Les cochons, on n'est pas obligé de les taper. Hein. Ouais, je sais. Si tu les touches pas, ils t'attaquent pas. Moi, je crains pas grand chose avec mon armure et mon épée, mais. Putain, il y a le bébé qui me crache du feu juste derrière moi là. Ouais, on n'a pas d'arc. Non. Tant pis. Il faudrait qu'on ait des bâtons magiques. Alors, c'est quoi? Ah, voilà. Soul Sand et Netherrack. Le Soul Sand et le Netherrack, c'est deux matériaux que tu peux brûler. Il y en a un qui s'éteint quand il pleut, tandis que l'autre non. Je t'ai perdu, Jersey. Ah, t'es là. Regarde, faut monter. Tu vas vite. Hein. Je dis pas que je connais pas. Hein. Excuse-moi. Mais en plus, j'ai l'impression que ça lag des fois un peu, donc je te perds vite. Tu sauras revenir, j'espère. Ah oui, mais attends, vous êtes déjà venu en plus. Mais oui, c'est pour ça. D'accord. Là c'est moi qui ai amélioré un peu le pont là, parce que évite de regarder en bas. Wouah. Ouais, attention que... Ouais non mais je suis sur shift là, pour pas tomber. D'ailleurs je crois qu'ils ont fixé le problème, quand tu fais shift et que t'es sur des escaliers, tu tombes plus. Tout comme ils ont réglé plein de petits problèmes aussi qui étaient chiants. Quand tu casses un escalier, tu récupères un escalier et non plus des blocs. Bon, là tu vas me suivre, mais tu vas faire attention. Ah t'es là. Tu vois, il faut passer vraiment à l'arrache. Ouais, je vois ça. Ouais, vas-y, c'est bon. Et là, vous avez pas amélioré le chemin, par contre. Non. Ça aurait été bien. Ah, il y a un bébé. Et il est où? Je sais pas, je l'entends, c'est tout. Ah, ça me rappelle Half-Life. Quand tu sors du complexe Black Mesa et tu te retrouves au flanc de la colline et que tu dois passer de bloc en bloc. D'ailleurs dans tout l'Half-Life il y a des passages comme ça. Half-Life 1, 2, épisode 1 et 2. Ça c'est super. Ah tiens là, regarde. C'est rigolo quoi, ça occupe. Tu regardes là, j'ai amélioré déjà. Ah ouais, effectivement. Wouah, il y a plein de champignons. Voilà, c'est ici que je vais faire pousser mes champignons. Par contre, je te préviens, tu vois que j'ai déjà un peu miné intensément le donjon. Ouais, mais attends, c'est quoi ce chemin là? C'est quoi cette pierre aussi? Bah c'est ça, en fait, c'est ça que je veux récolter moi, c'est la pierre comme ça. D'accord. Parce que comme je fais des constructions avec ça, et ça rend... Enfin, je fais mon donjon de la tour de magicien avec... Et attends, si j'en casse une, ça donne quoi? C'est quoi comme pierre? Nether brick, soul sand, nether rack, ok. Et ensuite, t'as aussi des espèces de barrières, j'ai vu. Ouais, t'as des barrières et t'as aussi des escaliers. C'est quoi les barrières? C'est Nether Brick Fence, ok. Ouais, donc tout est fait avec de la brique du Nether, c'est plutôt joli. Bon. Pour l'instant, tu t'en as que ici, donc...
Mais c'est toi qui l'ai créé, non? Ou c'est comme les forteresses dans le monde réel, je dirais. Enfin, le monde... Non, c'est comme les forteresses. Ah, il faut tomber dessus, quoi. Comme les forteresses. Ouais, voilà, faut tomber d'accord. Dessus. T'étais là le jour où on s'est tapé la mission forteresse? Ah non, c'était avec Awaya et Jordo. En fait, la forteresse, elle est complètement anéantie parce qu'on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de poissons d'argent qui nous ont attaqués. Mmh. On est rentré dedans, si tu veux, et là, on a vu... on a cassé une brique, il y a eu un poisson d'argent, puis deux, puis trois, puis quatre... Il y a des dizaines qui sont sorties. Oh là, c'est quoi ce truc là? D'ailleurs, il y a un monstre spawner. Et ils nous attaquent ou pas? Ouais. Non, mais c'est quoi ce truc? Mais il faut les bâtons de feu pour faire de l'alchimie. Vraiment spécial le bruit. Hein. Mmh. Mais il prend pas de choc là, je sais pas pourquoi. Le bed palace. Ah bon? Bon, comme tu veux alors. Justement, quand on en a besoin, on peut y aller, tu vois. Bon. Mais... voilà, bah c'est un autre. Mais ils sont pas méchants là, les trucs qu'on vient de tuer? J'ai l'impression qu'ils attaquaient pas. Les trucs en feu, bah. Jaune, ou... ça donne des bâtons, c'est ça? Normalement, ils t'attaquent. Ouais. Tiens, regarde s'ils m'attaquent. Ouais, effectivement. Ils ont l'air beaucoup moins méchants que... Oula, attention. Ça ressemble un peu à des canards. Voilà. Bon, si tu veux, on peut aller explorer l'autre bout du donjon. Comme tu veux. Vas-y. Merde. Tu perds rien à chaque fois. Si, moi j'ai récupéré deux bâtons de feu. Ah ok. Ouais bon bah il est bien celui-là, on va le laisser. Les bâtons de feu, ouais, c'est... Guetou, il m'en a filé pour mon four. J'avais plus de charbon donc il m'a dit que ça remplaçait. Bon. Voilà donc moi en fait je faisais ça, tu vois. Et j'en ai pris mais beaucoup mais il m'en faut toujours plus. D'accord. En fait c'est un matériau que je trouve intéressant de construction quoi. D'accord. Comme ça. Ouais, c'est joli. Et tu peux pas le construire, enfin le fabriquer toi-même plutôt que le récolter. Comme tu peux faire de la brique des forteresses en prenant 4 stones et en les mettant ensemble. Ben, je crois pas. Je sais pas, non. Peut-être que maintenant ils ont fait une nouvelle mise à jour, mais... ça non, parce que ça c'est nouveau, je pense. Ça y était pas dans la 1.9, les forteresses comme ça. Enfin, les donjons. Par contre, faut que tu fasses super attention parce que des fois t'as pas... tu tombes, hein, c'est quand tu creuses. Hein. Tu tombes. Il y a des trous. Eh ouais, puis tu peux y avoir de la lave après. Tiens, regarde, je te montre. Tu vois là, là tu creuses sous tes pieds, t'es mort. D'accord. Je vais peut-être pas le faire. Regarde ça. Tu vois? Oula. Parce qu'en fait, là, on est. En fait, c'est une structure avec des tours. Tu du vide, quoi. Et après, il y a du vide. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a... ouais, mais c'est immense en fin de compte. Ah mais c'est grand ces trucs. Les escaliers qui montent. Tu peux... Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Ouais, il n'y a rien, il y a juste... les escaliers. Ça. Les escaliers, mais c'est de la convient en fait. Non, je comprends pas. C'est une impasse. Attends, je redescends, tu veux essayer de le trouver. Mais... regarde. Hop là, je suis là. Quand... ok, où il y a de la lave? Il y a de la lave. Hop, pète les barrières. Je pense que je vais en garder un petit peu pour faire ma déco de chez moi, tiens. Ah ouais, mais les barrières... mais tu peux les faire. Par contre, les barrières, tu peux les fabriquer avec les briques que tu récoltes, là, ici. D'accord. Ouais, j'ai pas regardé encore les nouveautés sur la 1.1 ou la 1.0. Ouais, des champignons. Eh ben, enfin, en tout cas, moi, je trouve que les briques, enfin non, les barrières comme ça pour faire des fenêtres ou des trucs un peu à la one again, c'est super. Oula. Et t'es allé voir un peu sur le forum là, j'ai mis un lien vers une vidéo. Oula, il y a un truc là.
Il y a les machins jaunes là. Et les cochons. Où est-ce que t'es ? Je suis parti loin, attends, je reviens. Donc ouais, j'ai mis un lien vers un truc, c'est le Anners, je sais plus quoi, enfin c'est une espèce de mode pour Minecraft. Qui te... bah c'est une aventure quoi, tout simplement. Ça a l'air vraiment chouette. Enfin, je me dis que ce serait bien si on essayait de s'en faire une à l'occasion. Bon, je suis toujours en train de filmer, mais bon, là, grosso modo, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Quoi. C'est juste casser de la brique pour la récupérer. Mais bon, les mobs sont intéressants aussi, je les connaissais pas. Bah, si tu vas au bout et tu prends à droite, tu vois, t'as bah, les fameux cochons, là. Bon, à la limite, lui, on peut le tuer, il est tout seul dans son coin, isolé, donc ça va. Par contre, tu lags pas mal, je sais pas si ça vient de chez moi ou de chez toi. Je pensais à toi parce que je télécharge. Ah ouais, bah, parce que, en fait, j'arrive pas à te suivre, quoi. C'est... T'avances par à-coups. Donc là, t'as deux bestiaux jaunes, là, au bout. On se les tue ? Ok. Attends, je vais juste me redonner donner un peu de vie. Hop. Putain, c'est marrant le bruit de métal que ça fait. Merde, je suis en feu. T'as moyen de m'éteindre ? Non. Avec ton armure, ça va aller. Elle est pas très puissante, mon armure. Oh, on aurait dû prendre l'eau, en fait. Ah mais non, on peut pas. Dans les terres, on peut pas s'éteindre. Faut faire attention. On tue le cochon ou pas ? Si tu veux. Ah mais tu lags trop, laisse tomber. Moi j'arrive pas, j'arrive vraiment pas à voir. Attends. Je vais m'en mettre sur... Il donne des gold nuggets, c'est bien ça. Moyen, un autre moyen de récupérer de l'or. Bon, on y va. J'ai deux fois 64 plus 6, donc ça commence à faire pas mal. Et puis là, le problème c'est que j'ai plus de pioche, donc... Ah, c'était où déjà ? Ah, c'était là. Hop. T'as plus de... Non mais c'est t'as pas grave. T'es... J'avais juste deux pioches en pierre que j'ai cassé. D'ailleurs le système de réparation est moyen je trouve. Voilà, pourquoi tu fais ça? Ah ah, c'est pas drôle. C'est de labyrinthe. Pas très compliqué. Non, c'est clair. Bah en même temps c'est parce que t'as pas le temps de le faire. Donc, c'était... T'es parti bon côté. Du... Ouais, t'es ouais, parti du bon côté. Après, je sais plus exactement, je crois. Si, c'est non, par c'est... là. Oui, t'as raison. Je crois que c'est par là. Moi, j'étais monté une fois là-haut, et en fait, c'est par là. Il... Non, c'est pas par là, alors. Il faut peut-être remonter. C'est là où t'as confondu tout à l'heure, remonter... Ouais, c'est ça. Tac. Ouais. Ah, c'est ici. Hein, hein. Ça va, t'as à manger. Ouais, j'avais pris une dizaine de pains. C'est con, j'ai pas de bol en bois, mais j'aurais pu faire des soupes aussi. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est un peu bizarre dans Minecraft. Pour faire des soupes, t'es obligé d'avoir deux champignons différents. Attends, tu peux pas faire des soupes avec un seul champignon. C'est pas possible. Oula, c'est quoi cet énorme mur, là? La paroi, mais vraiment bien plate, quoi. Alors, c'était où ensuite? Il fallait continuer là, sur ce petit... petit tas... Non? C'est là qu'il fallait aller? Ouais, ouais, tu prends ici. Ah, bébé. Ah oui, il nous voit pas là. C'est quand même relativement moche. Hein. Regarde-moi ça, comment c'est plat. C'est le bunker de Pixou ouais. D'unitaire. Alors, c'était par là. Après, il y avait quoi? Il y avait un peu de grimpette à faire, non? Je sais plus. Et comment vous avez fait pour découvrir cet endroit-là? Non, c'est pas moi qui ai découvert, donc c'est je peux pas alors. Te dire. Non, parce que non, c'est pas du tout. Enfin, il était revenu avec plein d'objets du Nether la dernière fois, c'est pour ça que je pensais que c'était lui. Paye ta galère, hein. Là on peut pas passer. Faut remonter. Là, je vais créer le passage. Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ma souris, elle déconne. Hop.
Sympa comme remarque quand même. C'est positif, c'est non, je disais ça pour rigoler. Non, mais c'est vrai qu'il jouait pas très bien, mais on s'en fout. C'est... Je comprends définitivement pas l'intérêt de ce truc-là. T'en plantes une, tu la casses, t'en récupères une. Bah, non, t'en récupères plus. Récupère qu'une à chaque fois. Non, parce qu'en fait elles ont pas assez poussé. J'ai l'impression que ça pousse pas beaucoup plus. Bah, en fait, pour que ça pousse, bon, faut rester voilà. À côté. Non. Allez-y, on sort. Pardon. Et je vais arrêter la vidéo maintenant qu'on est revenu à la maison. Et voilà, c'était DS et Jersey pour une petite aventure dans le Nether ou le Nether, ou comme vous voulez. Et voilà. Pour finir en beauté, vous allez pouvoir assister à la mort de DS. Je coupe avant la fin. Merde, je suis tombé. Allez, salut à tous.